rock to stand alive. What a man a learn about the holy life. Get a man a sing in the holy chant. Get her, get her in the holy light. Sitting in the holy light. When the lion I wanna praise it on, gonna praise on art the master. Conscious without thinking, lie up above the head. A prayer guide, a walker in night. Surrender troubled in life's arms. Let you know it's on all your right. Let you know what's really high. What a man a learn about the holy light. Get a man a sing in the holy chant. Get her in the holy light. Sitting in the holy light. Jaja cover everything. Go Jaja cover everything. We have listening, teach of youth. Listening, teach of youth. Come around in a holy light. Dead and chanting in the high side. Come around in a holy light. Dead and chanting. Ça made up que vous écoutez, plus Joe Pilgrim, plus The Spy à la basse, et puis voilà, je peux pas en dire plus. Si, c'est maintenant, c'est à vous de me raconter l'histoire, comment vous vous êtes rencontrés. Parce que Dijon et Lyon, c'est pas juste à côté non plus. Non. Ouais. Made up. Ouais, bah en fait, on s'est rencontrés il y a environ, ça doit faire peut-être bientôt 3 ans. On s'est rencontrés sur une date en fait. Notre première date. Voilà, notre première date, ouais, c'était à Montbrison. Et Joe Pilgrim, en fait, à l'époque, jouait avec les Wounded Lion, un groupe de reggae. Et puis, bah, on s'est rencontrés là. Nous, on a vu son concert, donc avec son groupe. Et bon, bah, on est tout de suite tombé amoureux de sa voix. Il y a vraiment un feeling qui est passé. Donc, on lui a proposé, en fait, de venir à la maison pour enregistrer un featuring, pour le prochain album, etc. Et en fait, donc, il est venu chez nous. On a passé 3 jours ensemble pour enregistrer ce morceau. Et bon, bah, au final, le feeling est tellement bien passé que c'est là un peu qu'on a décidé. Donc, bah, vas-y, on fait un album ensemble, quoi, complètement. Voilà, quoi, on va pas en rester là. Et puis, du coup, ouais, pendant les 2 années qui ont suivi, en fait, on a travaillé sur cet album où il venait de Lyon, en fait, à Dijon. Et puis on a enregistré.
On a enregistré toutes les tracks comme ça. Ouais. Voilà. Il a dit la vérité ou est-ce que tout vous le voyez tout à fait autrement? Déjà, vous, apparemment, vous venez de découvrir que c'était leur premier concert quand vous les avez rencontrés. Ouais. Ouais, ouais, c'était ils étaient comment sur scène pour ce premier concert Je me rappelle pas. Stressé, sûrement stressé. Ah, mais c'était un concert de fou. Ouais, en plus, c'était un concert de fou. Je sais pas si tu te souviens. En plus, l'alarme incendie. Il y a eu l'alarme incendie juste avant. Tout courant qui avait sauté. C'était. Ouais. Mener un projet comme ça sur 2 ans, donc vous dites pour la préparation de l'album, c'est facile de se remettre dedans comme ça à chaque fois quand vous vous retrouvez parce que l'histoire en fait c'est qu'à chaque fois que je venais pour enregistrer au moins un titre, c'est-à-dire je venais au moins sur 3 jours, 2-3 jours quoi, et on prenait tout notre temps à ça quoi, et du coup à chaque fois que je suis venu, donc peut-être 20 quinzaine de fois, bonne vingtaine. Et c'était pour bosser sur un morceau en particulier. Donc du coup, à chaque fois, se remettre dedans, Maïdom me proposait les instrumentaux. Et puis voilà quoi, on travaillait dessus. C'est-à-dire en arrivant au boulot, écouter d'abord les versions instrumentales pour pouvoir déceler l'ambiance et l'atmosphère. J'ai une manière de travailler un peu spéciale dans le sens où je n'écoute pas les morceaux avant. Je préfère qu'ils mettent le micro, le casque, ils m'envoient la musique. Et c'est parti. Et c'est parti. parce que je suis quelqu'un qui a besoin de cette part d'improvisation, de spontanéité en fait. Je travaille beaucoup avec le spontané, parce que c'est comme ça que, enfin, dans la rue, il y a vraiment beaucoup de cette énergie-là. Et du coup, ben. Mais vous revenez après quand même sur les textes, sur la mélodie, etc. En fait, ça sert de base pour pouvoir travailler vraiment le morceau. Voilà, en fait, on faisait d'abord une première version vraiment freestyle où Phil se lâche complètement et de façon très spontanée. Et après, oui, bien sûr, on revient dessus, on va réécouter, on va sélectionner les meilleurs passages, il va écrire un texte, etc. Et là, on va enregistrer, après vraiment prendre le temps d'enregistrer tout bien en propre. Voilà. Et alors là-dessus, le regard de Maïdub sur l'écriture, sur la proposition, elle se fait vraiment naturellement ou est-ce que vraiment il y a des fois un moment où vous faites non, ça c'est pas possible, on peut pas le faire comme ça. Je dirais qu'elle se fait en fait très naturellement parce que quand il venait en fait, souvent on reste 3 jours ensemble, donc forcément on va discuter de plein de sujets, de la vie, de la politique, de vraiment toutes les choses qui peuvent nous passer par la tête. Donc je pense que les textes seulement ils découlent un petit peu de ça. Donc naturellement, forcément les thèmes que Phil va aborder découlent de certaines discussions qu'on a pu avoir ensemble ou même juste de la vibration qu'on va ressentir à vivre 3 jours ensemble, en plus dans mon petit appartement de 20 mètres carrés où voilà, on dort dans la même pièce. Donc il y a vraiment une communication naturelle qui se fait et ça se ressent forcément dans les textes. Ouais. Et là-dessus, ce speech, je le regarde parce qu'on ne parle plus de lui. Là, vous êtes mis à l'écart à ce moment-là? Non, ouais. Bon, là-dessus, je les laisse faire. D'accord. Ils sont forts. Bon. Maïdub, Joe Pilgrim, The Spy, on se retrouve en deuxième heure de Zigzag pour 3 autres titres en live. Mais tout de suite, nous avons d'autres rendez-vous aussi.